Bonjour, bonjour Salah. Bonjour Monsieur Moulin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Alors regarde bien, ici on a un tout petit texte et ici on a une image, d'accord? D'accord. L'image et le texte. Alors, on commence la lecture? D'accord. Alors tu lis. Marie adore ce... promener dans la forêt et dans les champs. Très bien, excellent. Elle tient un panier. Très bien. Elle ramasse les champignons. Très bien. Pour ne pas avoir froid. Mm-hmm. Elle porte un cache-oreille. Très bien, très bonne lecture. D'accord? D'accord. Bien. Alors, je vais te poser quelques questions. Alors, comment s'appelle cette petite fille? La petite fille s'appelle Marie. Très bien. La Marie adore, aime. Et elle non, tu aimes. Il y a une brille. Tu aimes. Tu aimes au mada se promener dans la forêt. Tu aimes au nosa fil rêve et dans les champs. Ou à fil hukoul. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un champ? Alors, dans un champ, on peut trouver, par exemple, des arbres, on peut trouver de l'herbe. Champignons. Très bien, bravo. Alors, regarde ici. Alors, voici la petite fille. Elle adore, elle aime se promener dans les champs et la forêt. Alors, regardez comment il fait le temps. Il fait beau, il y a le soleil, d'accord? Il y a le soleil qui brille, c'est-à-dire il fait beau temps, mais il fait aussi froid. D'accord? Jouzouine qui est une chemise, mais en même temps qui est chouette le bret. Alors regarde bien. Elle. Elle est un pronom personnel. Oui. D'accord. Alors elle remplace qui? Marie. Très bien. Alors on supprime elle et qu'est-ce qu'on met? Marie tient un panier. Très bien. Elle tient un panier. Montre-moi le panier. Où est le panier? Le voilà, le panier ou cela, il est hazza واحد السله, d'accord? Un panier ou cela. Il tient quoi? Un panier, elle ramasse les champignons. كتجمع les champignons ولي كنسميو بالدارجه الفقيه. D'accord? الفقيه des champignons qui كيتباع في دي طاس, كيديروه الناس مع الماكله. Alors, pour ne pas avoir froid, باش ما يجيهاش البرد, qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte un cache-oreille. Ah ouais, le cache-oreille, c'est comme le casque, de la musique. D'accord? Alors, cache-oreille, il protège les oreilles contre le froid. Et le cache-oreille, c'est ce qui permet de nous dire, c'est le برد, باش ما يدخلش لنا البرد لداخل. D'accord? D'accord. Est-ce que tu as bien compris le texte? Oui, j'ai bien compris. D'accord. Maintenant, on va passer aux questions de compréhension. Alors, regarde bien ici. La première question. Alors, regarde bien. Que tient Marie? Que tient Marie? Alors, regarde bien. Que, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un objet. Mais quand on se dit que, yani, un objet. D'accord? Que tient Marie? Alors regarde bien. On a la question. Que tient Marie? On a point d'interrogation. Que tient Marie? Voilà. Que tient Marie? Alors elle a dit c'est une phrase interrogative. Jumla tun istifhamia. Alors regarde. La phrase interrogative se termine Marie. Par non, se termine par point d'interrogation. Et là où point d'interrogation ouais. Alors que tient Marie? Alors elle a dit c'est une question. Oui. D'accord. Alors regarde bien. Alors, pour formuler la réponse, la phrase commence par quoi? Par le sujet, le verbe, le complément. Alors, que tient Marie? Alors, la réponse, alors, on va dire, Marie. Alors, la réponse, c'est le texte. Alors, où est la réponse? Marie tient. Très bien, Marie tient quoi? Très bien, un panier. Alors regarde bien, j'ai posé la question par quoi? Sma Salah. J'ai posé la question par quoi? D'accord? J'ai posé la question, quoi? Alors Marie tient quoi? Un panier. Alors un panier c'est le con?
C'est le complément. Très bien, le complément d'objet direct. Alors, Marie tient un panier. Regarde bien. Naya, mi brina tal husu el, dna l'inversion du sujet. Alors, bdina le verbe wal wal, dna le sujet. D'accord? Alors, naya, mi jina le jawab, on a commencé la phrase par le sujet. Marie tient, le verbe tenir, tient quoi? Un panier. Alors, panier, c'est le complément d'objet direct. D'accord? D'accord. Alors, la deuxième question. Qu'adore-t-elle faire? Alors regarde bien. On a dit que tient Marie. Alors, on a dit Marie. D'accord? On a dit Marie. On a dit qu'adore-t-elle? Alors, Marie, il y a elle. Faire. Et donc, qu'est-ce qu'elle adore faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, je vais vous donner une réponse. On a dit Marie. Je vais vous donner une réponse. Elle. Elle. Un deuxième verbe. Où est le verbe? Elle a. Adore. Adore. Faire quoi? Elle adore faire quoi? Les shopping. Non. Il rame. Non. Elle... elle adore se se promener. Cette Britsara, elle adore se promener. Se promener où? Dans la forêt et les champs. D'accord? Est-ce que tu es bien saisi? Oui, j'ai bien saisi. Alors regarde bien. Alors ici, chauffe. هنايا ركز معايا هنا مزيان ركز معايا صالح هنا قلنا كوتيا ماري alors بدينا الجواب ماري d'accord le sujet le verbe le complément هنا كادور تيل فير alors هنا ما درناش كان ممكن نقولوا كادور ماري فير كون كانت عندنا كادور ماري فير كنا نقولوا ماري ادور فير bien ادور se promener ولكن ما نقولوش ادور فير se promener نقولوا ماري ادور En Aouda, Marie, alors on dit le Marie adore se promener dans les champs et la forêt. D'accord? Alors, je vais. Elle adore se promener. Promener, très bien. Alors, dans les champs, comme là, dans les champs et la forêt. Très bien, dans les champs et la forêt. Très bien. Elle adore se promener dans les champs et la forêt. Alors, la dernière question, la troisième question. Que ramasse Marie? Marie. Marie, très bien. Alors, Marie, je vous jawab, je kiffe le texte. Que ramasse Marie? Marie ramasse. Très bien, les voilà. Champignons. Très bien, bravo. Alors, Renaya, on va formuler la réponse. Papa, est-ce que je veux t'écrire? Attends. Alors, regarde bien. Alors, on va formuler la réponse. Alors, je suis dit, Renaya. Andy, que ramasse Marie? Alors, je vais vous Marie. Très bien. Alors, Marie. Alors, le sujet, le verbe. Ramasse. Ramasse quoi? Marie ramasse les champignons. Très bien. Les champignons. Très bien. Marie ramasse les champignons. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. Alors, que porte-t-elle? Pour ne pas avoir froid. Alors, pour formuler la réponse, je suis rendu long. Pour. Alors, à dire un peu d'obéir l'eau, la chose. Que porte-t-elle pour ne pas avoir froid? Alors, pour ne pas avoir froid, elle porte. Pour ne pas avoir. Alors, on dit la liaison. Avoir froid. Hein? Elle porte un cache-oreille. Très bien, elle porte un cache-oreille. Très bien, un cache-oreille. Excellent, bravo. Elle porte un cache-oreille. Alors regarde bien, là il y a un dit cache-oreille. Hada est un mot composé. Donc on juge les calimètres. Hada cache ou hada oreille. D'accord? Hada c'est un mot composé. Alors, très bien, monsieur Salah, excellent, très bon travail. À la prochaine et au revoir. Au revoir, monsieur Mouad.